Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Google SketchUp. Donc ici on va voir pour insérer un composant à partir du modèle d'une bibliothèque ou de la 3D Warehouse, enfin bref, ouais, ils ont pu mettre ça en français ou en anglais. Enfin c'est comme ça. Voilà. Donc on va voir ça de suite. Donc j'ai fait un fichier nouveau. Donc Suzanne, on va l'enlever. Je vais me créer les murs. Peut-être pas assez grand. Je vais faire plus grand. Voilà. Bon, il n'est pas dans les proportions, mais c'est pas grave. Donc, au lieu d'en faire un deuxième, je vais couper en deux celui-là. Hop. Donc, il y aura un avec épaisseur et un autre sans épaisseur. Donc, celui-ci, je fais à peu près épaisseur. Hein, donc, c'est entre 20 et 25, logiquement, l'épaisseur des murs. S'il veut prendre le plus, donc c'était réel, c'est bon, il l'a pris. Donc je recrée une surface. Donc ici je vois qu'elle n'est pas dans le bon sens. Hop. Vous voyez, elle est bleue, donc c'est pas top, la lumière ne reflète pas dessus. Clic droit, inverser, efface. Donc c'est la seule. Ok, donc celle-ci n'est pas bien, hein, parce que celle-ci, si j'inverse. Les faces ici est bien blanche, mais du coup, comme c'est juste un plan, ouais, un polygone, n'a pas d'épaisseur, donc inverser les faces. Donc on va essayer de garder le truc blanc comme il faut. Donc ici, je vais dans les composants qui se trouvent ici. Donc si vous ne l'avez pas, vous le trouverez ici, fenêtre composant. Donc dans ma scène, ben j'en ai pas. J'ai pas de fenêtre, j'ai pas de porte, j'ai rien. À part Suzanne. Donc Suzanne, j'en veux pas. On va me gêner plutôt qu'autre chose là, donc hop, on la met pas. Donc j'allais chercher dans ma médiathèque à moi. Dans la médiathèque à moi, je parle bien le petit français au moins. Ouvrir ou créer une collection locale. Donc je vais aller chercher où je l'ai fait. Ici par exemple, modèle. Ok. Donc j'ai créé deux composants. Donc une fenêtre de 1,71 sur 1,71, une porte-fenêtre de 40 sur 2,60. Je l'ai faite un peu haute, mais enfin c'est pas grave. Hein. J'ai fait ça vite fait pour le tuto. Donc je vais prendre la porte-fenêtre. Donc vous voyez, si je vais l'appliquer, par exemple, ici, il ne perce pas. Si jamais ici, il ne perce pas non plus. Donc, je l'ai fait exactement pareil que ce deuxième ici. On va voir de suite. Je vais apprendre. Je vais la mettre ici. Vous voyez, elle perce bien. Et je vais la mettre ici. Donc là, vous voyez la différence. Ben, du coup, il y a une qu'on voit bien au travers et l'autre, on ne voit pas au travers. Pourtant, elle dépasse bien d'ici. Voilà. Donc ici, dans ce cas-là, on va voir ce qu'on peut faire. Je prends l'outil rectangle. Là, il se met sur l'extrémité de mon composant. Je vais aller là, je dis voilà, hop, ça c'est bon. J'ai sélectionné ça, sup. Et ben non, voilà, on voit toujours pas au travers. Si je clique là, je clique sur le composant,
Et là, j'ai tout le mur ici. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Par exemple, on va prendre l'outil rectangle. Et là, je vais le faire un peu plus grand. En espérant que ça va fonctionner. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est pénible, ce truc. Et puis, j'ai sélectionné cette arête à déplacer vers le bas. Par exemple, je mets ici. Sur les flèches du clavier, je clique sur la flèche du haut. Hein, flèche du haut. Hop. Là, il n'a pas pris. Vous voyez, il part de tous les côtés. Donc, je prends. Je clique dessus. J'ai cliqué sur composant. Je clique sur l'arête, la flèche du haut, et là ça m'oblige à rester droit. Donc je l'ai à peu près ici. Donc je vais sélectionner celle-ci. Hop, je clique dessus. La flèche gauche. Non. Un coup c'est gauche, un coup c'est droite, c'est pénible aussi ce truc. De droite. Voilà, je vais la mettre là. Je vais prendre celle-ci. L'outil déplacé. Je clique dessus. La flèche de droite. Voilà. Non plus. La flèche de gauche. Voilà. Bon, celle du bas, j'ai pas besoin. Donc, si je clique ici, que je suppe, j'ai enlevé ça aussi. Voilà. J'ai bien mon ouverture dans le mur. Ah, un truc aussi, celui-là, comme on le voit bien, vous voyez cette partie-là, quand je bouge. Voilà. C'est que la carte graphique, bah, du coup, elle est obligée de gérer deux polygones. Il y a celui-ci et celui-là du dessous. Alors, hop, je vais faire ça. Je vais supprimer, je vais comme ça en dessous d'ailleurs. Et là, vous voyez, impeccable. Donc ici. Ben, ici, ça se fait tout seul puisque il n'y a pas, on l'a vu, il n'y a pas d'épaisseur. Donc le problème avec ceci, quoi, si on veut créer une épaisseur, par exemple, hop, je vais, hop, créer une épaisseur ouais, avec l'outil rectangle, ça devrait le faire. Donc ça nous fait exactement le même résultat que tout à l'heure. Donc si vous faites une maison en modélisation pour un projet ou n'importe quoi, que vous n'avez pas besoin d'aller voir l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de mettre une cloison comme ça ici à l'intérieur. Mais si vous faites un projet qu'il faut voir l'extérieur, les alentours de la maison et puis voir les intérieurs, tout ça, ben, je vous conseille de bien créer les ouvertures parce que ça ferait quand même bizarre. Devant un client ou quoi que ce soit, de faire voir un truc comme ça. L'autre va dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Donc nous avons vu pour ceci. Donc ce que j'ai créé moi-même. Ça on verra par la suite. Ici je vais élargir. Ici. Voilà. Donc on va y voir directement ici dans la 3D Warehouse, enfin bref. Donc dessus, bah, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je suis dans les fenêtres, on va rester dans les fenêtres, ouais. Fenêtre.
Donc vous pouvez mettre en anglais, vous aurez beaucoup plus de d'objets. Voilà. On nous propose déjà quelques trucs déjà assez sympathiques. Bon, il n'y a pas énorme, 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 énorme. Hein, voilà. Voilà, vous faites ici fichier, banque d'images 3D, télécharger des modèles. Donc faut attendre que. Voilà. Donc ici, il y a plein de trucs qui vont pas tellement nous intéresser. Donc ça, je vous laisserai regarder. Hein. Vous avez des flèches ici sur le côté pour bouger. Toi, bouge aussi. Voilà. Hein, vous avez pas mal de trucs. Ça, personnellement, s'en fout. Ici, vous voyez, il y a des phares. On peut pas agrandir, ouais. Pas agrandi, mais pas. Voilà, ici, vous avez quelques trucs. Ça, je sais pas ce que c'est, franchement. Une nouvelle boîte. Un robinet pour la plonge, une douche. Douche. Robinet, pas top, hein. Ensuite, ça va à peu près. Enfin bref, on est pas là pour regarder les robinets. Et ici, vous voyez, vous avez pas mal de trucs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est fenêtres. Donc la touche entrée, ça marche pas. Donc on va aller directement cliquer là. Et là, vous en avez. Allez, je descends, et je peux toujours descendre. Je peux toujours descendre. Vous voyez que vous en avez pas mal. En le temps que ça charge. Bon, on va s'en prendre une au hasard. Au hasard. Au hasard. On a quelque chose d'assez bien quand même. Oh, tiens, je vais prendre celle-là. Donc je clique dessus. Et là, vous la voyez directement. Donc là, c'est bien parce que vous avez ici la poignée. Ici, ben, vous voyez le modèle tel qu'il est. Vous cliquez ici. Vous la voyez ici en 3D. Vous pouvez tourner autour. Celui-ci, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais essayé. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ouais, les statistiques. Ok. Donc s'en fout. Donc j'ai cliqué ici sur incorporer et télécharger. Donc chargez ceci directement sur votre modèle SketchUp. Bah oui. Hop, voilà. Et je mets en place. Et donc vous voyez, même ce que vous prenez, bah, ne l'ouvre pas forcément. Ici, je suis peut-être pas trop bien non plus. Je vais prendre l'outil déplacement, je vais zoomer. Je clique bien sur l'angle de la fenêtre ici. Et puis, j'essaie de reculer quand même jusqu'à. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez, on n'a pas créé d'ouverture. Donc, je vais la reprendre. J'ai cliqué ici. Donc c'est tout ce que j'ai dans le modèle. Et puis elle est là. Donc je clique dessus. Et puis ben, je vais la mettre là. Donc là, pareil. Elle m'a pas créé d'ouverture. J'ai cliqué. Je vais prendre plutôt ce point-là. Vous voyez, on a créé aucune ouverture. Donc bah, c'est à vous de la créer. Bon, il y a certains qui vont créer des ouvertures comme ici directement, quoi, mais sur une face, quoi, pas sur celle qui est derrière, c'est ça qui est dommage. Ou là, d'avoir une solution que j'ai pas trouvée. Donc voilà. Vous avez tous ces modèle là, et puis ben à vous vous amuser de
et te chercher directement. Donc ici par exemple composant échantillon. Et je mets. Hop. Comme ça. Bon, j'ai déjeuné dehors, c'est très bien. Ok. Donc voilà. Donc vous avez vu comment insérer les composants et puis ben, faire les ouvertures au cas où, comme ici. C'est moi j'ai fait de façon à avoir une petite épaisseur ici quand même, hein, parce que nous, les porte-fenêtres chez nous, ils ont une épaisseur, ils sont pas au ras du placo. Enfin, certains, si. Donc, j'ai vu certains, c'est vraiment au ras, et puis ben, ça craque au joint. C'est pas top. Donc, moi, j'ai toujours une épaisseur. Ok, donc ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi. Je crois que c'est le prochain tuto. On va voir pour créer son propre composant. Comme celui-ci. Bon, des fois ça fait à l'ouverture, des fois c'est pas l'ouverture. Bon. Tant pis, hein, on prend son mal en patience. Pas un logiciel gratuit, on va pas trop lui en demander. Quoique, un petit peu d'effort, ça ferait pas de mal. Allez, ok, ciao.